Alors c'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une rythmique kizomba, d'accord? Ce que on va faire de la programmation d'une rythmique, tout simplement. Comme ça, plus tard, je vous donnerai un exercice aussi par rapport à ça. Alors, c'est important de bien suivre cette vidéo. Pour commencer, d'abord, je vais créer mes pistes d'instruments, comme d'habitude. Maintenant, vous savez faire, et je vais l'envoyer dans un bus. Alors, avant d'avancer de créer, je vais vous parler du bus. Parce qu'on n'a pas parlé du bus encore. J'ai pris une petite définition du bus qui est là. Hop, j'espère que vous le voyez bien. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà, comme ça vous savez c'est quoi un bus. Vous voyez, c'est une piste virtuelle, d'accord? C'est là-bas qu'on envoie le signal audio. Ça peut être un bus, ça peut être une piste audio ou une piste MIDI. On peut l'envoyer directement dans la piste auxiliaire, le bus. D'accord? Et en fait, ce bus va me permettre de regrouper des familles d'instruments ou des familles audio. Comme ça, je peux gérer leur volume, en fait. C'est ça des bus, en fait. D'accord? Alors, je l'ai mis dans un bus 2. Si vous voulez plus de détails, vous avez la définition juste là, vous mettez pause et vous lisez, d'accord? Je vais créer le bus 2, bam. On va mettre un ultra bit. Je vais insérer ultra bit, il est là. Hop. On va enregistrer le projet. Et je vais mettre bit. Voilà, bit, comme ça c'est enregistré. On va mettre un BPM 95 par exemple, s'il veut. Ah oui, c'est bon, 95. J'active le métronome. Ok, cool, on a tout. Ça. Tac, 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 tac. Il faut rester dans le métronome. 3, 4, tac, 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 tac. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. Ok, je vous montre le jeu. J'ai pas quantifié encore, je quantifie. Hop. Un 16e. Et c'est quantifié. Ok, écoutez le jeu. Je vais mettre un limiteur. Histoire. Un limiteur, c'est quoi? C'est un effet qui me permet. Je le mets dans le master parce que, en fait, comme ça, tout le son général qui sort dans le master sera à 0 dB. C'est ce que je fais. Ça sert à ça, ça limite le dB à 0. Vous pouvez limiter à moins 3, moins 4, c'est à vous de voir. Moi, je mets un limiteur pour que ça joue pas trop fort. Ok? Ok, on y va. Je double la piste. On va mettre un rimshot. Tac, tac, tac. Tac. Ok, 2, 3, 4. Petit contretemps, on quantifie. Ça c'est le rimshot, hein. Ok, je vais rajouter ça par dessus. Tac, tac, tac. Trois fois, ok. 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac.
Ouais, j'ai pas envie de trop jouer, je suis feignant comme d'hab. Comme ça, je vous montre en même temps les manips. Je coupe ça, j'ai pas besoin. Je duplique une fois, hop. La réponse, tiens. Écoutez. Alors j'ouvre ça. En fait, je l'avais déjà expliqué dans les futures vidéos. Quand j'active là, ça me permet d'ouvrir le plugin concerné sur lequel je suis en fait, sur lequel je suis sélectionné. Regardez, je vais changer de piste et normalement sur le même plugin va rester en fait. Regardez, c'est juste la preset qui va changer. Attendez, il faut que je change d'abord la preset. Voilà. Et regardez quand je vais venir sur la piste du haut. La preset elle change, vous voyez, sauf que j'ai plus besoin de fermer ma fenêtre, d'accord. Je l'ai déjà expliqué sur les futures vidéos parce que j'en ai fait plusieurs, ok. Vous voyez, en fait, c'est complémentaire. C'est comme ça que je fonctionne quand je compose ma rythmique. C'est-à-dire, je vais jouer le tome plus tard et un autre tome plus rond avant, histoire que ça se répond entre les tomes, en fait. Histoire que ça donne du... C'est ça qui donne du groove, en fait, à une rythmique. C'est très important. Je vais le quantifier. Q, hein. C'est Q, la quantification, le raccourci. Je duplique. Commande D, comme d'hab, vous connaissez maintenant. Tac, boum, je vais jouer ça. Tac. 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 Parfait. On va changer. Hop, je reviens, j'avance. Qu'il a changé l'instrument, je reviens. Ah ouais, il faut bien faire attention. Ok, cool. Ok, je cherche un. Là c'est du plus maintenant, là je rajoute la rythmique mais c'est un peu de plus, mais normalement on a déjà notre rythmique là. Attendez, je vais d'abord chercher un kick et une grosse caisse, ok. Il est trop... Chercher un bon kick. Ouais, le 808 c'est le meilleur de toute façon. Allez, on va mettre le kick. J'arrête, j'enregistre. 2, 3, 4. Nickel, j'en quantifie. Ouais, ça prend forme là. J'ai mis mon kick en haut. Vous avez vu, je vais déplacer. Voilà, je commence à nommer. Kick.
parler. On va mettre rime, c'est la rime shot. Voilà, rime 2 si vous voulez, histoire d'avoir un visuel. Ah, j'ai mal noté. Rime 2. On va faire. Je mets FX, histoire. Toum, FX. Hop. Je vais mettre tom, tom 1. Et là. Conga. Et là pour l'instant, on a tout. Bon. Vous voyez, je sature un peu ici ce que je vais faire. Le moins 6 dB. Mais là, je vais faire moins. Non, moins 3. Comme ça, mon bus, regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça gère le groupe en fait, le groupe de rythmique. C'est pour ça que je l'ai envoyé dans le bus 2 auxiliaire, d'accord ? C'est pour ça. Ça sert à ça, un bus, d'accord ? On regroupe tout là-bas, toute la famille, comme ça, on est tranquille, on peut gérer notre volume comme on veut. On peut même me compresser, on peut aller plus loin. Je vais mettre un compresseur. Histoire ça sonne, que ça sonne bien. Allez, une petite preset. Drum mix. Voilà. On peut aller un peu plus loin. Les effets, j'en parlerai plus tard, d'accord ? Dans d'autres tutos. Je vais mettre un autre limiteur, histoire de le booster un peu plus. Allez, on va mettre un limiteur classique. Allez. Voilà, là, je l'ai mis à 6 dB. Vous voyez la différence ? On a gagné du gain. Et on sature pas. J'ai ajouté plus 6 dB, on ne sature pas. Ok ? Allez, on continue dans notre rythmique, tranquillou. Ah, on va mettre un shaker. Allez, il faut donner. Quand vous faites une rythmique, il faut donner du groove. C'est très important, surtout si vous dansez. Si vous êtes des danseurs, vous devez comprendre que pour qu'un danseur aime danser votre musique, il faut donner du groove à une musique. Vous voyez ? Et là, le shaker va me donner un peu plus de groove encore, regardez. Je respecte toujours. Tac, 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 tac. J'ai rajouté une note en plus. Hop, il est où ? Non, c'est pas celui-là. Non. Il y a un que j'ai mis en plus. Non, finalement. Ah, il est là, je crois. Bon, de toute façon, je quantifie. Oh, vous voyez le groove. Ah, ça donne envie de danser là. Ok, on continue. Alors là. Et pas. On va trouver. On va doubler encore le charlet. Vous voyez, il y a ce charlet là. Je vais le doubler encore. Avec celui-là. Un fermé, un ouvert. Charlet fermé, charlet ouvert. Il y a différents charlets, ok. Mais je vais prendre celui-là, ouvert. Ouais, ça donne Charlet, ça donne du groove. Charlet 2, je vais le mettre avec le Charlet qui est en haut, qui là c'est le Charlet 1. Hop. On va mettre comment je peux l'appeler, shaker. Je vais mettre SH shaker. Voilà. Hop. Un. Ouais, pas. On double. Yeah.
le morceau commence à prendre forme. Tranquillou. Peace, one love.